Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment animer un objet sur Blender. Donc c'est parti. Donc tout d'abord il nous faut un objet. Donc là pour le coup c'est un carré, donc le carré de base. Faire juste remonter à la grille, même ça change rien. Que ce soit mieux. Après il faut aller dans animation, donc pour animer. Et voilà, donc après, on est une fois qu'on est dans cette interface, ça fait ça. Donc là, on n'a rien. Donc là, si on joue, si on fait ça, ça fait rien, c'est logique. Donc on retourne au début. Voilà. Donc en fait, ce qu'il va devoir faire, on va devoir faire au début, c'est créer la position qu'on veut qu'il soit au début, au tout début. Donc là, pour mon coup, moi, j'appuie sur I. Et là, moi, j'appuie tout le temps sur Rot Scale. Donc là, en fait. Là, si vous savez pas lequel choisir entre tout cela, choisissez celui-là, ça marche tout le temps. Donc voilà, donc là déjà, là, on a dit que de base, il allait être ici, notre carré. Donc voilà, donc là, si on fait ça, ça fait toujours rien. Une fois qu'on a fait ça, après, on va choisir un temps. Donc par exemple, moi, je vais choisir, je veux que ce soit très 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 lent, faire l'animation, donc je vais choisir vers les 100. Donc après, je vais appuyer sur G et sur Z pour par exemple monter, ou je pourrais faire G, X ou R, n'importe. Moi, je vais le bouger. Donc là, je vais le bouger vers le haut. Donc je vais vers le haut, oui. Donc G, Z. Et là, je vais le mettre ici. Voilà. Et là, j'appuie sur I et je fais Rot Scale. Donc voilà. Et après, je vais faire. Donc on est passé de 0 à 100, donc je vais faire 4 200. Je reste pareil, hein. 4 200, je vais copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, à 200, il revient en bas. Et donc là, si on revient à notre animation de base, c'est censé nous faire ça, ça monte et ça descend. Voilà. Donc ça marche avec pas qu'avec des carrés, hein, ça marche avec tout les animations. Donc là j'ai gardé juste mon animation de base, vous faites ça fait rien. Donc vous voyez ça marche. Donc après on peut faire plein d'autres choses. Hein. Donc par exemple je vais faire quelque chose d'une animation très rapide. J'ai. Ouais, on va mettre à 20. J'ai. GZ, hop, on fait ça, on fait I, on fait à 40, hop, ça redescend. Et ce qu'on peut faire, c'est entre les deux, on sélectionne les deux, avec la souris comme ça, et on peut mettre des petits trucs, peut-être des dynamiques faits, par exemple, on peut mettre élastique, regardez ce que ça fait. On va voir si ça fait là, on voit la différence. Donc là, ça fait tout, tout. Vous voyez? On peut faire plein de choses comme ça. Il y en a plein. On peut faire aussi. Bounce. Donc là. Voilà, là, on voit bien. Ça saute. Avant d'atterrir. Il y a plein de choses comme ça. Et en fait, c'est comme ça qu'on fait des animations. Donc là, je vous ai montré une mention très basique. Mais c'est à peu près comme ça pour toutes les animations, à part ces animations qui sont vraiment complexes, qui là ça devient plus compliqué forcément. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Sur ce, moi je vous dis ciao! Unknown brain, Marvin Devine.